Coucou, alors je viens vous faire cette vidéo. Donc l'autre jour je vous avais filmé un échange que j'avais reçu, donc c'était la semaine dernière. Mais la semaine d'avant ou la semaine d'avant d'avant, j'avais reçu cet échange-là. Donc au pire des cas, je mettrai celle-ci avant celle que je vous ai filmée la semaine dernière. Voilà, parce que j'avais complètement zappé de vous le. De vous la montrer. Bref, c'est pas grave. Donc, c'est un échange qui me vient de Chantal P. C'était sur un événement d'échange ATC sur le thème tropical qui avait eu sur Facebook. Donc, là, je vais vous montrer que j'ai reçu de cet échange de la part de Chantal. Déjà, je tiens à remercier Chantal pour son échange. Parce que franchement, ce qu'elle m'a mis, c'est super, super joli. Donc, nous allons découvrir sa carte. Donc, voici. Une très jolie carte. Voilà. Sur le thème tropical, avec des ananas, tout ça. À l'intérieur, il y a son mot et son ATC qu'elle a fait plus ou moins pareil. Qui est très jolie, j'aime beaucoup. À la fille, on va dire, coordonner les deux, à la coordonner les deux. Donc, Tropical à 2 sur 3 par Magiscrap, mais son prénom c'est Chantal, qui a été réalisé en juin 2021. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup, ma belle, pour ton ATC qui est très joli, ainsi que ta carte. Et elle m'a mis des petites puces, comme vous pouvez le voir à l'intérieur du sachet. L'ouvrir. Le sachet, on va le mettre sur le côté. Elle m'a mis, comme vous pouvez le voir, plein de feuillages comme ceci. Voilà. Elle m'a mis un palmier comme ceci. Elle m'a mis encore des petits comme ça là, des petites feuilles. Elle m'a mis des grandes feuilles comme ça de Monstera, je crois que ça s'appelle. Voilà. Faudrait que je me trouve des dies comme ça parce que j'aime bien de temps en temps faire des créations tropicales avec tout ce qui est comment ça s'appelle, flamant rose, tout ça. Et à mamie, deux petits ananas comme ceci. Ça, c'est, je pense que c'est des découpes dues à des dies et un feuillage comme ceci. Et ensuite, elle m'a également mis des petits trucs comme ça, tropical à découper. Donc, ça va bien me servir parce que j'aime bien ce genre de petites choses à découper. Par contre, j'aurais aimé avoir un arbre comme ça en plus. Bon, j'ai quatre ananas, j'ai voilà, l'arbre en question, j'ai quatre ananas, trois flamants roses et trois feuilles de Monstera. Parce que moi, les trucs comme ça, j'en trouve comme ça, mais sur le thème safari, sur safari africaine. Mais pour tout ce qui est safari tropical, je trouve pas en fait tous les trucs comme ça. Je trouve dans la safari tropicale tout ce qui est panthère, koala. Paresseux, tout ça, mais cela là je trouve pas. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir faire des petites créas avec. Voilà. Bon, je vais vous faire le montage et vous mettre la vidéo pour demain mercredi parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6 juillet. Donc voilà, je vous embrasse très fort, bisous bisous, bye bye. Coucou, alors c'est la deuxième vidéo. Dans la première vidéo, j'ai oublié de préciser que nous étions le 2 ou le 3 juillet. Je sais plus, je crois qu'on est le 2 juillet. Voilà, j'ai reçu aujourd'hui un échange parce qu'en fait, j'avais pris
un dies en double. Et donc du coup, je l'ai proposé à l'échange. La personne a voulu me le payer. Moi, j'ai pas voulu qu'elle me le paye. Je dis, on se fait un échange, comme ça, on se casse pas la tête. Donc du coup, elle m'a envoyé quelques découpes. Donc ici, il y a son petit mot. Voilà, elle a une très belle écriture. Du coup, le petit mot, il est là. Voilà. Et ici, il y a pas mal de découpes. Alors, je vais commencer par ce sachet-là. Normalement, j'attends un autre échange aussi d'un autre dice que j'avais acheté en double et que du coup, j'ai proposé à l'échange. Je ne l'ai pas encore reçu, donc peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine. Si je le reçois lundi, si je reçois l'échange lundi, j'essaierai, Inch'Allah, de faire l'échange. Donc, elle m'a mis des découpes comme ceci. Ce papier-là, je l'ai, j'aime trop. Je l'utiliserai pour une création sur le thème tropical. Là. Voilà. J'ai un comme ceci, cela. Alors, les papiers me disent quelque chose. J'ai l'impression sur un bloc 15-15 de chez Babou, on dirait que c'est exactement les mêmes papiers. Surtout celui-là, mais je pense pas que ce soit le même. Voilà. Ensuite, il y a un blanc. Donc, je vais pouvoir mettre des tamponnages dessus. Des tamponnages sentiments. Il y a des petits carrés comme ceci pour mettre des petits papillons, des petites fleurs. Alors ça, je suppose que c'est ouais, c'est pour faire des enveloppes. Donc c'est pas mal. Donc elle m'en a mis plusieurs de différentes tailles, de différentes couleurs, de différents designs. Voilà. Elle m'a mis des tags. Donc ceux-là, je les ai. J'ai le lot de dies. Donc, thank you. Donc là, par exemple, on peut très bien mettre des petites décos. Mais au plus, peut-être que ça se peut que ce soit le même, mais sur du papier plus grand, parce que ce papier-là, ça me parle. Voilà. Et il y a également sur du papier blanc, donc je pourrais mettre un petit tamponnage. Un petit tamponnage. Elle m'a mis des petits tamponnages comme ça. J'aime bien ce genre de découpe. Je peux faire des petits embellissements avec, mais des petits boutons avec de la dentelle ou du ruban, des demi-perles, ou même des boutons papier. Elle m'a mis celui-ci, pareil, toujours dans un esprit tropical, parce que je l'ai ce papier, donc c'est pour ça que je dis ça. Et en blanc. Donc là, pareil, toujours dans l'optique de pouvoir mettre un tamponnage au milieu, de le mettre sur un mini-album ou pour customiser un papier, pourquoi pas. Voilà pour là. Ensuite, il y a des bases de cartes comme ça. Et il y a un comme ça. Alors ça, je pense que ça doit être les dies qu'il y a eu à un moment donné. Là, sont récents ces dies. Moi, je les ai pas trouvés. Alors, j'ai dû le voir, mais je l'ai pas pris parce qu'il me plaisait pas. C'est pas. Après, peut-être sur si je l'aurais pris, si par exemple je le trouve, parce que finalement, en voyant la découpe, ça pourrait faire pas mal sur une création sur le thème de la mer. Pourquoi pas? Voilà. Il y a celui-ci, et celui-ci me semble que je l'ai également. C'est un grand die. Elle m'a mis celui-ci. Voilà, ça pas mal aussi pour faire des cartes. Voilà, pour faire une petite carte. Et j'ai celui-ci, j'ai ce dice aussi, je l'ai. Hein. Il est dans la boîte là de dice. Vous voyez à quoi il ressemble. Voilà, c'est celui-ci.
Je l'avais acheté aussi à Action parce qu'il me plaisait bien. Et c'est vrai que je l'utilise très très peu. Je pourrais d'ailleurs l'utiliser. Parce que je sais jamais comment l'utiliser. J'en ai un autre aussi pareil, mais je sais jamais comment les utiliser. Voilà. Elle m'a mis alors ça, je sais pas si c'est des découpes ou si c'est elle qui les a coupées au massicot. J'en sais rien du tout. Alors je sais pas si je les utilise comme ça ou si je les utilise avec des dies. Je sais pas encore. Celui-ci j'aime bien effet militaire. Ça fait effet jean. Voilà, à voir. Celui-là, j'aime bien avec une création, je sais pas, Jewel Dream, enfin, je sais pas, Galaxy, tout ça, j'aime bien. À voir. Et le dernier paquet, c'est celui-ci. Alors, il y a des étoiles, des fleurs. Alors, ça, je les ai, ces fleurs-là, parce que, et le cœur-là, parce que ça va avec. Les die tags comme ça là avec cela. Voilà, je vous dis ça parce que j'ai exactement les mêmes. Après, pareil, je pense pas les utiliser dans une créa ou autre. Donc après, il y a pas mal de die bordure aussi qu'elle a mis que j'ai. Vous montrer. Donc ce genre de fleurs en fait ça va avec ces dés ici ainsi que les cœurs comme ça. Voilà, ça va avec bien évidemment un manafi, quelques-uns. Voilà. Elle m'a fait des fleurs comme ça. Ça, j'aime bien avec les petits trous parce que je peux mettre un. Comment on appelle ça? Une attache parisienne, un brat, quoi. Elle m'a mis des petits cœurs. Elle m'a mis des flèches. Ça, c'est le même papier. C'est du même bloc que. Si je le retrouve. Que. Celui-ci là, c'était un bloc tropical, je crois. Là, il me semble, je crois pas, je suis sûre. Elle m'a fait plein de petits nounours que, comme ceci. J'aimerais bien savoir où elle a trouvé ce dice nounours. Parce que j'ai des dies sur le thème bébé et c'est pas le et dans ce lot de dies que j'ai. C'est pas le même nounours en fait. Donc elle m'a mis plusieurs nounours comme ça. Voilà. Donc la flèche là, je vous l'ai montré. Ce que j'ai à ma fille ici là. Celle-ci. J'ai plein de sentiments. Donc là, il y a home. Pour dire maison. Il y a. Quoi d'autre comme. Ah, c'est Home Sweet Home, peut-être qu'elle a voulu me mettre. Alors là, il y a deux mots bonheur. Bonheur. Un deuxième mot bonheur, je vous le montre pas, je vous l'ai trompé. Sweet. J'ai encore un sweat mais de cette couleur. Homme sweat homme, voilà. C'est bien ce que je disais. Elle m'a mis donc en die de bordure. J'ai celui-ci, je l'ai. C'est un des derniers die de bordure que j'avais acheté. D'ailleurs. Celui-ci, c'est un des premiers die de bordure que j'ai eu parce que j'avais demandé à ce qu'on me le prenne, qu'on me prenne un die de bordure. À Action, parce que j'avais pris un truc pour la personne et en échange, elle m'a demandé ce que je voulais à Action.
Donc du coup, elle m'avait pris un die bordure et il y avait celui-ci. Enfin, un lot de trois die bordure, il y avait celui-ci. Il y a ce die bordure-ci aussi qui est super beau à mettre sur une jolie créa. Donc elle m'a mis une découpe comme ça. J'ai des découpes comme ça, mais je sais pas si j'ai cette taille-là. J'ai des fleurs comme celle-ci, vous les voyez plutôt bien. Je vais voilà, comme ça, des étoiles, encore des fleurs comme ça, comme je vous ai montré, les mêmes en plus grande. Voilà, il y a pas mal de fleurs, de cœurs, de fanions. Voilà, des petites maisonnettes. Ça, j'ai pas ce genre de taille. J'aurais aimé en avoir, mais j'en ai pas. Si, j'en ai une que j'ai eu dans un lot de die tag. Voilà, mais un, deux, trois. J'aurais aimé avoir des. Si, j'ai le die maison comme ça. Je dis des bêtises. Pour faire des boîtes maison. Et un des die tags, on peut faire un tag maison, quoi, avec. C'est ça qui est plutôt pas mal. J'ai des maisons comme ça, des maisons comme ça. Voilà, j'ai. Elle m'a mis pas mal de découpes. Donc, ma belle, je te remercie pour cet échange-là. Avec plaisir, c'est avec plaisir que dans le futur, on en fasse d'autres ensemble. Et je vous embrasse très fort. Voilà, bisous, bisous, bye bye.